Depuis le milieu des années 60, les cinéastes suisses ont réalisé des centaines de films qui nous permettent aujourd'hui de nous faire une idée assez précise de l'histoire de notre pays. L'attitude de la Suisse, par exemple, pendant la guerre, les mouvements de contestation autour des années 70, les mouvements pour l'écologie, contre le nucléaire, etc., etc. Ces films, il faut bien le dire, ont eu un retentissement au niveau international. Ils ont fait la réputation de notre pays en gagnant de nombreux prix dans les festivals. Mais avec la révolution numérique, appelons-la comme ça, du tournant des années 2010, tous ces films qui avaient été tournés en 16 ou en 35 mm n'étaient plus visibles, puisqu'aujourd'hui, on projette dans les salles en numérique, justement. Dans ces conditions, il a fallu réfléchir à comment restaurer, numériser tous ces films, ce que Filmo a entrepris avec beaucoup de réussite, et pour nous, cinéastes suisses, c'est absolument essentiel.